And it makes score even more frustrating when you do score. In Spelunky, score is absolute garbage. It's horrible. It's boring. It's long. And any mistake after 4 hours ruins your 4 hour run. Here, you can even not make a mistake and still get your 4 hour run thrown into the garbage bin by the game. This is so insanely ridiculous. Whatever. Need to calm down, breathe, and fucking do it. It's very easy. Just gotta not get the game telling you. Fuck right off, man. Fuck right off. Why am I wasting my ropes? I don't know. Should be spending bombs instead. Okay, what do we do? One more score, I guess. What the fucking fuck? What the fucking fuckity fuck? What the goddamn fuckity fuckity fuck? What the hell? No, I don't want to do it. Okay, sure. Yes, I want to do it, actually. Oh shit, my idol. Oh, here's the E. Flippin' floppin'. Okay, here's the ghost jar. So actually, I need to locate the ghost jar before I start shooting, I think. Because now I know where the gems are. What's the recoil on this? Wow. Sorry, mate. I'm not sure about that. Like, with no mobility, I won't risk it. Maybe it's an interesting idea for later, but as long as I have no mobility, yeah. Okay, where's the diamond now? Okay, here it is. Out we go. Not rope. In a crate, I-63. In a random crate.
Sorry, Turkey. That's a highly technological way to roast turkey. I don't want to aggro this guy, really. Well, I don't care that much, but... Okay, Yeah, I think I'm gonna just leave. When I'm done. Just drop and leave. Or maybe I can drop here and shoot? I'm kinda busy, young. Shit. Boom! You piece of shit. Okay, real quick, what do I do here? Need to get rid of this. That's GTFO. No stinking Matok. I have way more advanced technology than that. I wasn't aware I had turned around. I aim at whatever I can, like this run I really hope I'll do better than 1 million, for example. Maybe I will. I don't know. I haven't made my call yet on that. Ok, wow, il y a Tifa, bonjour Tifa, re-bienvenue, comment étaient les pâtes? Merde. Bon, il est mort. C'est même pas sûr. Ah, c'est bon.
Okay. Oui, bien sûr. J'en parlerai à mon cousin. Does the wooden shield reflect the plasma beam? That would be hilarious and also disastrous. Okay. Wait. La tête. La pipe se retirer maintenant. Let's not press shoot now. Ouch. Oh, here's Kelly. Oh, this thing stays safely in the corner. No funny business here. Lol. C'est-à-dire quoi en général? Là. Hello, Turkey, my friends. Actually, might as well blow up the entire spike pool. Okay, real quick. This guy. Turkey. Come on, Turkey. Okay, Moon Challenge. Pourquoi dégoûté? Non, tu tires pas sur mon truc, toi. Vas-y, empoisonne-le. Ça l'enfoiré. Kali encore. Non, en vrai, c'est dur hein, à manier. Pas faire de conneries. Bon, là, pour l'instant, c'est rigolo, tout se passe bien, mais un accident est vite arrivé. Plus ça lag. Bon, je pense qu'on a vraiment vite fait de péter une Jara fantôme. Ces conditions.
J'espère vraiment qu'on pourra se choper un jetpack bientôt. Là, je peux pas trop remonter, c'est pas grave. On reste focus. Et apparemment, le market n'est pas ici. Attention aux torches. Ah merde, j'aurais quand même dû aller chercher le trèfle dans le défi lunaire. J'ai un peu merdé. Market, je suis assez confiant qu'il n'est pas ici. En plus, il y a le défi lunaire. Les deux se marient assez mal en général. Pas plus de boire du sang non plus. Ah, la cité dehors, putain. Et bien la défoncer, ça. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Non, du coup, j'aurais pas le temps d'atteindre le truc. On va juste se barrer bien sagement. Peut-être prendre un peu de pognon quelque part. Alors, ça là. Et on se barre bien sagement. J'espère qu'elle va pas spawner. Je sais pas si c'est moi qui l'ai tué ou si c'est les commerçants. Dans le doute. Je vais me positionner en fonction. Ouais, y a pas de petit profit. Oh putain, mais c'est que... Il y a elle qui est connectée à la ruche, quoi. On va aller checker si elle a spawné, Géraldine, là-bas, là. Oui. Allez, des os, pas des os. On se reparle. On se capte plus tard, ok? Pas trop que je joue du canon, ici. On va plutôt y aller au fouet. Tant qu'il y a les trucs en tout cas. Merde, 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 merde. Ok, donc là je viens de perdre potentiellement mon truc. Non, c'est bon, je peux remonter. Là j'aurais été extrêmement deg. Où est l'entrée? Merde, l'entrée est là. Attendez. J'ai pas encore dit que je puisse remonter chercher mon truc. Lol. Parce que j'ai plus de cordes. Et c'est bon. Il est où du coup? Je vais essayer où mon canon? Ok, donc lâcher le canon, mauvaise idée. Du coup, là, on n'est pas tout à fait en bas, mais il y a quand même potentiellement de l'info à prendre. Ouais, je dirais que c'est pas ici. Si j'avais à deviner. N'est-ce pas? Bon, il est mort? Oui. Ouais, j'ai pas la garantie que c'est pas ici. Je rate le market, pas de cité d'or. Putain, en plus, il y a un club d'enfoirés là. Oh merde. Tirons-nous et prions très fort.
Poly esquive. Avoir 0 corde, c'est un peu stressant quand même. Voilà, 6 pour un prochain run, vous hésitez sur votre total de cordes. 0, je vous déconseille. Merde. Bon, j'ai ou pas? Ah, normal, c'est tout seul. Et elle, c'est con qu'elle arrête de me harceler. Ça a queené, là, non? Voilà. Bon. On va tout péter, on verra bien. Hein. Pas dedans? Merde. Et bien gaffe à pas se couper tous les chemins pour aller au market. Encore un petit peu de temps avant le fantôme pour le piège à ours. Le piège à ours. Il y a que dalle, allons-y. Moi je sais pas, peut-être des gens savent. Pete! Arrêtez de me harceler! Merci! Oh, c'est le harcèlement au spawn quoi. Tu pourrais crever vite fait s'il te plaît. Comme ça je peux prendre ton gun et puis aller buter tes potes. Putain, j'ai pas le temps pour vos conneries là. Ah, bien, il y a marché noir, ouais, ouais. Je me sens extrêmement bienvenu là. Allez, pique-toi! Pique-toi mieux que ça! Ok, c'est bon. Comme quoi, c'était pas mal de prendre un peu d'avance. Ok, allez, on se prend un fusil comme ça pour la bagarre dans le market quand même. C'est quand même vite mal tourné ces histoires. Dans une caisse au pif. Ok, on a une cape, c'est déjà ça. Bon, un peu de sang. Bah, il n'y a pas de commerçant étranger, c'est ça. Donc en bas, on a lui. Il vit sa meilleure vie. Et lui fait à peu près la même chose. Désolé le chat, mais là il y avait urgence. Ok. On va aussi tout faire péter dans le market, hein, y a pas de raison. Yes, des cordes. Ça m'emmerde un petit peu que ce soit au milieu du chemin. On va prendre ça. Le gun, je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là. Non. Enfin, peut-être qu'il a été dataminé, moi je sais pas. La première fois que j'en ai un. Non, je le sais. On va utiliser ce cadavre. En vrai, j'ai pas trop le temps non plus. Il y avait une zone assez dense. Là, avec les 3 gemmes, je vais récupérer absolument. On va prendre ce saphir et se casser. Hop, comme ça, on le fait spawner à droite. Et on se tire.
La ville, tu peux en avoir un magasin secret? Ouais, ça arrive aussi. Oui, ils sont plus courants dans les magasins secrets. En tout cas, les caisses, je sais pas du tout quel est le top drop. Alors, déjà, ça, on va le mettre bien gentiment à l'abri. Ah, mais du coup, là, on a une question, on a un choix à faire. Est-ce qu'on veut défoncer toute la cité d'or ou est-ce qu'on veut garder le canon pour plus tard? Moi, je pense que c'est plus rentable dans la cité d'or, donc je vais l'emporter au temple. Encore des cordes, nice. Donc je vais l'emporter au temple. Pas des Viltifa, moi. Ouais, après, le truc, c'est qu'il n'y a pas que le minion, tu vois. Il y a aussi, je veux faire le plus possible. Pourquoi pas battre le record de DT, en fait. Parce que son score, c'est quoi? C'est 2 millions 2. Je pense qu'avec un plasma canon bien maîtrisé, ça peut se faire. Après, j'ai pas de jetpack. Ça, c'est vrai que ça facilite pas les choses. J'avoue qu'il y a aussi un côté jouissif à tout péter un C dehors, en espérant pas se faire défoncer par un vieux Crocoman là. Hop! Vas-y, travaille, le mec, travaille! Mais du coup, si on fait ça, il n'y a pas trop de raison de. En fait, je peux aussi emporter le canon dans la cité d'or, tout défoncer, ne pas faire Osiris et garder le canon pour le late game. C'est aussi une option légitime. Que de décisions à prendre. Ça, j'ai vu Tifa essayer. Parce qu'en gros, ouais. En vrai, parce que avoir le canon, si c'est juste pour Néo-Babylone et si c'est juste pour Néo-Babylone, c'est pas follement utile. Donc peut-être je peux abandonner le canon. Faire Osiris, faire un. Ouais, je pense que j'ai plutôt abandonné le canon. Je vais emporter le canon à la cité d'or pour faire un max de blé là-bas. Et après ça, je l'abandonnerai. Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, hein, Tata, je pense. Ultra dangereux, mais aussi ultra vite. Parce que, en fait, le truc, c'est que tous les pièges sont destructibles là-bas, sauf la lave. Donc, c'est, à mon avis, la seule manière de pouvoir sereinement prendre tout le fric d'un niveau. Merde. Chut. Donc ouais, je pense que c'est bon. J'ai ma route. C'était à peine dangereux, tout va bien.
Faudra aussi que je fasse péter un peu le fric autour de... Genre de le mec. Il devrait déjà y avoir pas mal de blé qui traîne. Et avec le canon, on va pouvoir en claquer un peu plus en haut. Peut-être deux. La mare. Et puis, poisson fait un quart de l'aubergine. Ah là là. Tifa qui rage d'avance, alors qu'en vrai, il sait que le plus probable, c'est que je meure comme une merde. Il le sait. Et pourtant, il est là en panique. Ah là là. Prêt à tout. C'est beau. Canon au temps, ça va être une nouvelle expérience pour moi. J'espère ne pas me faire niquer la gueule par des conneries. Salut, mini Muriel. Ouais, Waddler, j'en ai pas besoin, donc Joseph. On va juste lui défoncer son shop. En toute sérénité. Ouais, je crois. Désolé le chat. C'était involontaire. Pas trop OP, mais aussi avec beaucoup de recul et beaucoup de possibilités d'accident. Allez, point trop dans le fond, point trop dans le fond. Point trop dans le faux. Cassons-nous. Hey Pesky, I don't know, like, how do I plant if I find seeds that are working for it? I just let the seeds tell me what to do, basically. Oh, shit.
Je suis pas fan des crocomanes. Celui-ci en plus il peut me venir dans ma gueule. Donc ça me fait deux raisons de ne pas être fan. Oh chiotte. Oh, j'espère aussi, Totof. J'espère de tout mon cœur. Oh putain de bordel de bite. Merde. Casse-toi l'abeille. Bon, ils sont là-dessous. Chaque problème en son temps. Ça dégage. Putain, ça dégage aussi. Putain, il en reste un. Et je pense qu'on va le, on va le laisser dans son jus là. Normalement, il devrait pas trop. Ah merde! Je peux pas embarquer à la fois le canon et le truc. J'ai pas pensé à ça. Alors qu'en vrai, c'est un peu la base de Spelunky aussi. Bite de caniche! Mode panique. Ouais, et je sais pas s'il y en a un dans le niveau. On n'est pas vu. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah, je me sens con là. Du coup, fallait vraiment laisser ça à Waddler. Ok, bah on le saura pour l'avenir. Shit. En vrai, j'ai pas la masse de bombes. Allez. On fait un choix difficile, mais un choix raisonnable. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Alors... J'aime pas ce piège. Je vous le dis très simplement. Non, pas toi, le chien. Non! C'est pas ça que je voulais faire, bitouille! Merde! C'est vrai qu'elle m'en voulait avant, mais maintenant elle m'en veut plus, mais maintenant elle m'en reveut. C'est la vie, hein. Bon, je pense que j'ai assez fait de conneries, il est où, elle est où la porte? Voilà, Kali. Sérieux, elle est où la porte? Tindé. Voilà. Viens pas sur ma gueule, toi, merci. On va attendre qu'il se tourne pour lui tirer dans le dos.
après, on va aller sacrifier des gens. Ouais, rien que la thune de Ziris et tout, ça va être du profit. Pas très grave, le canon. C'était une belle histoire qu'on a eue, lui et moi. Et elle aurait pu se prolonger si j'étais pas si con. Si je savais anticiper au-delà de 3 secondes. Bref, où est la porte? La porte est là. Et je suis pas fan de... des pièges à écrasement. Est-ce que j'ai plus de Maccabée d'ailleurs? Comme j'ai un peu de temps. Là, il y a elle. Je pense pas que ça va m'amener au niveau suivant de faveur, mais bon. Il y a aussi lui en bas là. Merde. Ah, ils sont deux. Ouais, c'est bien possible qu'on puisse atteindre le niveau de faveur suivant. Après, j'ai eu moins d'accidents. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai plus d'entraînement déjà avec le sceptre du 1. Mais honnêtement, j'ai pas vu de grosses différences en défaveur dans la pratique. C'est vrai que ça a l'air assez, assez fou, mais merde. Bon, allez, cassons-nous. Alors, là, faut prendre des bonnes décisions. Bah non, le cerf, il me sert à ouvrir la porte. Je l'ai plus. C'est vraiment triste que les momies donnent plus de... On va quand même pouvoir se faire un joli stack de pognon ici. Merde! Sauf si elle se ramène pour me niquer la gueule. Je suis au bout de ma vie. Ok, bon bah... Faut se tirer. Après, j'ai beaucoup de points de vie là pour tanker ça sur ma barre de vie actuelle. Pour la suite, on verra. En gros, il faudra que je fasse la duate assez vite. Ouais, non, c'est la merde. Hein. I don't know. En gros, il faudra que je fasse la duate assez vite et en m'approvisionnant en sang sur les ennemis et que, ouais, que je tue le boss vite. Sur la, tous les points de vie que je perds ici. Ah, après, je sais pas si le poison persiste à travers cette résurrection-là. On va le découvrir, j'imagine. Lava, oh boy. Crazy. Okay, is there any free money anywhere? Lol. Okay, bon, on se tire. Ouais, les choses vont pas super bien pour moi. Allez, il nous faut du sang et de la vitesse. Ah, mais c'est ça que ça file, du coup? Lol. Donne-moi ton sang. Ah, c'est bon, je suis plus empoisonné. Ok. Donc, la curse se maintient, mais pas le poison. Si, si, plein de fois. La curse se maintient, mais pas le poison. Ça, c'est pas mal. Ah
Ah non, mais la save, je l'ai laissée récemment pour faire du old shortcut. Laisse-moi boire ton sang. En vrai, je pense que j'aurais préféré des bombes que ce truc-là, hein. Oui. Tout à fait possible. Soit avec Kali que ça se passe, soit... Comment on appelle ça? Soit avec l'élixir. Ouais. En vrai, ok, donc quand vous venez ici, n'ayez pas trop de faveur de Kali, parce que sinon ça vous file ce truc-là au lieu d'une boîte de bombes. Donc il faut avoir entre 24 et 32 de faveur. Voilà, c'est l'enseignement de cette run. Ok, je vais essayer de flinguer Anubis 2 avec une seule bombe. Pour voir. Ça te stun. Ok. Très bien. En vrai, j'ai le temps là. Je peux faire un kill safe. J'ai pas besoin de le bomber. C'est vrai que je suis encore en train de partir du principe que j'ai le poison, mais j'ai pas le poison. Allez, on arrête de gaspiller des bombes. Et on se fait un kill du cadavre, en plus on a un cadavre. On a un cadavre qui ne rêve que de ça. Oh, il y a une caisse. C'est pas ce que je voulais faire. Tu les touches, ça te repousse un peu et ça te stun, c'est pas... Yes, des bombes. Ah, c'est bon ça. Ah, en plus on le fait saigner à chaque fois, trop bien. On va récupérer du PV. Ouais. J'ai pas mal merdé sur le decision making de cette run. C'est pas grave. On garde la pêche. Faut que je fasse un peu gaffe à le toucher sur les bons spots, mais en vrai, vu que j'ai les bottes de saut, qu'il reste beaucoup de terrain, c'est pas un point d'inquiétude trop important. Je sais pas si je vais lui en faire de lui donner un précis. J'avoue, j'ai le caillou aussi, incroyable! Ça va envoyer sec. Combien il vaut le trésor d'Osiris? Peut-être 40k, 50k? On est encore assez loin du million. Va falloir, arriver à New Babylon en vie. Où est mon caillou? Voilà mon caillou. Merci à Tifa pour cette strat incroyable. Ça va doubler la vitesse de kill. J'étais corde. maintenant que je sais que je peux le faire sans jamais trigger de coup de poing, je le fais. Yes, I know about that passkey, but it's not as safe as just never coming close to him. And I've got time on my hands, so I play safe.
Oh yeah, I'm aware my strats aren't the fastest ones for Osiris. They may even be the slowest ones. Yes, yes. Oh, sure. That's very true, Totof. That is very true. I think he's almost dead now. I don't know if my first bomb was 20 or 10. Like, if the big bomb does double damage or not. Emeralds for me! Only 20k? Oh god. C'est le sac à dos. Souriant en jade avec la marque chauve-souris. Ok. Eh ben, tirons-nous. Ah non, il y a du pognon là. L'innocent. J'allais me barrer en le sang du pognon. Tifa m'aurait jamais pardonné. Quoi, souriant en jade avec le serpent, un truc comme ça. Grosse mémoire. J'ai plus mon canon à plasma. Ah yes. Ah mais lui aussi il a un parachute doré quoi. C'est tous des patrons de droite. Lol. Faut être un peu précautionneux. Je pense que la bonne pratique, c'est... Merde. Putain. Casse-toi, thune, JPP.